Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Notre frère Cabrel nous a laissés avec des larmes aux yeux. Le frère de quelqu'un n'est pas seulement celui de la famille. Certes, Cabrel et moi, on ne s'était jamais vus physiquement. Mais j'ai fait plusieurs vidéos de son vivant, même pour le clasher aussi. Il écoutait, mais il ne m'avait jamais répondu. Mais son départ me touche. Certains vont se poser la question à savoir pourquoi ça me touche. C'est un frère, c'est un grand frère du showbiz. Oui, certes. Il était mon petit frère d'âge, mais un grand frère du showbiz. Parce qu'il a beaucoup fait pour la culture camerounaise. Donc, depuis le départ de Cabrel, il y a les moments où je reste même comme ça, je dis que merde. Est-ce que c'est comme ça que le showbiz est ou bien c'était seulement son temps ou quoi? Je me pose mille et une questions. Alors, si quelqu'un me suit, si quelqu'un est fan de ce que je fais, demain c'est dimanche, demain c'est le jour du Seigneur. J'invite tous mes fans, tous mes projecteurs, tous ceux qui iront à l'église demain, tous ceux qui croient en Dieu. Si vous croyez vraiment en Dieu, c'est une très bonne chose. Demain, mettez Cabrel Nandjep dans vos prières. Mettez Cabrel Nandjep dans vos séances de prières. Que ce soit chez vous, que ce soit à l'église, pour le repos éternel de son âme. Prions. Prions sincèrement, non seulement pour le repos éternel de l'âme de Cabrel Nandjep, mais prions afin que ce malheur, ou bien je vais parler, ou c'est une tragédie, ou c'est une épidémie qui ne fait que frapper les jeunes du showbiz camerounais, surtout les jeunes talentueux. Prions pour que ça s'arrête. Hier, c'était Madame Copin. Avant-hier, c'était Miss Ngachou. Aujourd'hui, Cabrel Nandjep. Demain, ça sera qui? Ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Mettons-nous en prière. Prions pour le Cameroun. Ça ne va pas. Demain, je ne vais rien poster sur mes plateformes. Rien. À partir de ce soir, je vais changer ma photo de profil. Ça portera l'image de Cabrel. Et ainsi que demain, la journée de demain, chacun pleure le deuil à son niveau et comme il peut. Franchement, c'est douloureux. Et je te supplie encore une fois de plus. Nous avons, parce que je ne vais pas être exclu, nous avons passé le temps à critiquer Cabrel, à insulter Cabrel de son vivant. Par respect pour le repos de son âme. S'il vous plaît, ne continuez plus. Des gens qui viennent raconter du n'importe quoi. Où Cabrel n'avait pas fait ci, Cabrel n'avait pas fait ça. Toi qui allumes la caméra jusqu'à aller loin au village filmer l'état de la maison de la mère des... Toi-même là, ta maman vit dans quelles conditions? Mieux encore là-bas, on a même vu l'écran, l'intérieur était même joli. Au village, si on part dans le village de ta mère, ça sera la catastrophe. Mais c'est toi qui fais les vidéos partout, partout pour raconter du n'importe quoi. Qu'est-ce que toi-même, ta mère mange avant de dormir? Toi qui fais les vidéos pour raconter n'importe quoi sur Cabrel, ta propre mère là, toi qui es encore vivant, qu'est-ce que tu fais pour ta mère? Pour ceux qui ont encore la chance d'avoir leur mère, qu'est-ce que vous-même vous faites pour votre maman avant de critiquer les autres? Vous êtes toujours en train de voir comment la cour du voisin est sale. Cabrel Nandjep a laissé les empreintes, que vous acceptez ou pas. Aujourd'hui,
on parle de Zizou, qui ne connaît pas Zizou, qui ne connaît pas Mwaminga, qui ne connaît pas Tigindengue, qui ne connaît pas Majaki, qui est même en France. Hein? Sans oublier le petit, là, on l'appelle vieux Chami, ou c'est le vieux. Dans le dernier direct de Fingon, il disait même qu'il va continuer l'œuvre qu'il avait commencée. Voilà un enfant comme ça qu'il a pris, il payait ses études et après le bac, il devait l'envoyer en Bengue, continuer ses études. Fingon dit qu'il va aller voir sa famille pour continuer l'œuvre qu'il avait commencée. Voilà les empreintes de Cabrel. Uniquement pour tous ses enfants, ce qu'il a hébergé. Il y a ses grands frères dans le showbiz depuis longtemps qui n'ont rien fait pour leurs petits frères. Nous-mêmes, là, comme ça, qu'on est dans ce showbiz, on n'est même pas sûr qu'en mourant, on va réaliser tout ce que Cabrel a fait. Chacun a ses défauts, chacun a ses erreurs. Oui, il a fait les erreurs. Et c'est pour cette raison que je vous disais que son départ doit nous servir de leçon. Nous devons tirer des leçons. N'attendons plus demain. Peut-être il voit encore tout le temps devant lui pour construire peut-être une villa ou quoi que ce soit, sa maman ou bien pour lui-même. Mais il n'avait jamais pensé que la mort devait le frapper très tôt. On ne connaît ni l'heure ni le jour. Quand on a l'opportunité, comme je vous ai dit, réalisons ce qu'on peut réaliser. Les amis, en toute honnêteté, ne jugeons pas les morts. On n'a pas le droit de juger qui que ce soit parce que toi-même, tu ne connais pas. Comment toi-même tu vas finir? Faisons très attention de nos propos, de nos langages. Priez vraiment de respecter le repos de l'âme de Cabrel. Arrêtez, c'est déjà assez. Cabrel a fait beaucoup pour notre culture. Et ça reste à vie. Que vous acceptez, que vous n'acceptez pas. Merci de partager la vidéo. Je suis en train de vous dire, ça c'est l'unique vidéo que je fais aujourd'hui. Et demain, je ne fais pas de vidéo. Juste en hommage à Cabrel Nandjib. De ma manière. Merci de partager la vidéo. Et merci à tous ceux vraiment qui vont prier pour Cabrel demain, dimanche, le jour du Seigneur. Cabrel, que ton âme repose en paix. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.